Salut tout le monde, c'est Zata, on se retrouve à nouveau sur un test sur Project DVF avec Kam Kyoku, God Ayrton et hop, punaise, j'ai fait bouger la caméra. God Ayrton étant le titre de la chanson, voilà, titre de la chanson en anglais, Kam Kyoku, le titre en anglais, donc Dieu de petite taille. Enfin, il y a un autre sens aussi, mais je sais plus c'est quoi l'autre sens. Faudra que j'aille re-regarder la traduction, ça m'énerve. Bon, j'ai mis Kasane à la place de Miku parce que la tenue de Miku est absolument dégueulasse, hein. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu la chanson, ils me comprendront. Si vous aimez la tenue, c'est que vous avez des goûts bizarres. Enfin, ou vous avez des goûts, tout simplement, voilà. En tout cas, moi, je trouve ignoble. Je trouve que c'est une honte à Miku d'avoir fait une tenue pareille. Après, hein, voilà, on a chacun son avis. Et oui, cette chanson est particulièrement... What the fuck? On est bien d'accord. Bref, ma voix s'est enfin remise du chandelier. Après combien déjà de semaines? 2, 3, 1, 1 mois? Je sais plus. Len, qui se sent un peu seule parmi toutes ses filles, je pense. Pas vrai, Rin? Mais Luca, regardez-le avec son crochet. Len, attends, j'arrive pour t'aider alors que je poireautais. Oh, ça alors? Ils ont trouvé quoi faire du jardinage? Des outils pour faire du jardinage, ok. Tais-toi si c'est pour faire des commentaires comme ça. Tais-toi! Oui, madame. Non, mais Len, osez pas me dire qu'il avait pas l'air débile. Sérieux. Attends, Miku, je vais t'aider. Voilà, regarde, elle est de nouveau dans son pot. Il reste plus une feuille. Ah, Kasane va mourir. Non! Faut pas qu'elle meure. Si Kasane meurt, je tue quelqu'un. Voilà. Ça n'a pas de sens. Mais je tue quelqu'un. Voilà. Parce que Kasane, ça fait partie. Elle fait partie de mes chanteuses préférées. Ça. Ouais, on peut dire ça aussi, étant donné qu'elle n'est pas humaine. Mais. Ouais, je chante n'importe quoi, on s'en fout. Vengeance. Ma petite vengeance pour Chandeli, hein. Je me fais un kamikyoku à la place. Ça n'a rien à voir. Tais-toi. Oui, madame. Sinon, c'est punition. Oui, ok. Voilà, un petit standard. Même si c'est nul, mais c'est un standard, quoi. Ah ben, great, impeccable. Peut-être un excellent, non? Bon, avec un peu de bol, un excellent même. Excellent, et bah oui, excellent. Parce que excellent, voilà, c'est excellent. Voilà, c'est bien, quoi. Ah oui, j'avais oublié de préciser, hein. Étant une Muto et étant un jeu basé sur les vocaloïdes, ils ont oublié d'acheter la voix de Luto pour la mettre dans le jeu. Je crois que c'est pour ça, ils ont pas eu les droits ou un truc dans le genre. Ah, mais j'avais pas encore d'excellent. Ah bah, impec. Alors, on va se faire un petit Tokyo Teddy Bear, ok, pour être déprimé. Mega Posse Continue, voilà, je vais faire une partie un peu joyeuse et une partie un peu déprimée, on va dire ça comme ça. Tu es seul, Miku? C'est triste. C'était pas un jeu de mots, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Cette tenue est une des tenues les plus stylées de Miku. Je suis désolée. On va monter le son au passage. Oh, 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 oh! Là, ça commence direct, quoi. Il est énorme, ce clip. En gros, elle dit, enfin, pendant que sa mère la Crowley, elle joue à la console, je pense que ça paraît logique. Et il y a plus de 10 batteries qui sont mortes à cause de ça. Quand sa mère arrive, elle fait semblant de dormir. En fait, on l'a tous fait, ça, je suis désolée. Enfin, nous, geeks, on l'a tous fait, ça. Aller dans notre lit avec notre DS, parce que moi, j'avais pas de PS Vita, et j'en ai toujours pas, d'ailleurs. Avouons-le. Quand nos parents nous demandaient d'aller nous coucher, on pouvait pas lâcher la DS, on l'embarquait dans le lit, et au bout d'un moment, on s'est fait choper. Moi, en tout cas. Le clip le plus what the fuck de l'année. Je suis désolée, quand même. Moi, en tout cas, le monde où est-ce qu'elle va, Miku, moi, ça me tente pas trop, hein. C'est un peu trop épileptique, hein. Moi, voilà, c'est... C'est pas que c'est trop coloré, moi, j'aime bien quand c'est coloré. Le problème, c'est...
c'est que c'est... Il y a trop de pixels. J'aime pas quand il y a pas assez... Non, il y a pas assez de pixels, justement. Il y a pas assez de pixels, il y en a trop sur les images. Tu te rends compte qu'il y a aucune logique ? Et toi ? Hop, hop, rond, 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 triangle, 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 triangle. Putain, mais moi j'ai la gerbe si je vois autant de couleurs, quoi. Même à Euphoria, il n'y a pas autant de couleurs. Et oui, Miku vient de se ramasser. On est bien d'accord. Triangle rond, 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 je veux un standard. Allez, standard. J'y arriverai jamais. Je suis foutue. Que se passe-t-il, Miku? Pourquoi y a tout qui s'effondre? On est dans Oblivion après Xyretard ou qu'est-ce qui se passe? Et je l'aurai jamais l'étoile. J'aurai jamais mon Schoenstein. Ah si. Bon bah j'ai mon standard, c'est déjà ça. Je suis contente. Même si c'était un score absolument pourri, on est bien d'accord. Normalement il se passe pas ça, normalement en fait elle envoie le cœur ouvrir la porte et puis ça se finit comme ça. Ouais, standard. T'es contente, hein, t'es contente. Et ben moi je suis pas contente, parce que j'ai fait un score pourri. Du coup je suis... C'était nul. Va te tirer une balle. Oui, madame. C'est un petit Tokyo Teddy Bear. Ouais, non, c'est trop dépressif. On va d'abord se faire une Happy Refrain. On verra après. Ouais, bon, j'aurais peut-être dû acheter la tenue Keito pour la remplacer. Bon, tant pis. Pas grave. On va faire avec ce qu'on a. Salut, Luca. C'est Luca, Luca et Big Fever, hein? Non, si. On s'en fout. On s'en fout, j'imagine, hein. Allez, on commence direct. Miku, Luca et Keito, le paumé. Voilà, le groupe le plus stylé de l'année, excepté Keito. Normalement, c'est Len qui a la place de Luca, mais bon, hein, Len n'a aucun style dans cette chanson, je préfère le préciser. Du coup, j'ai préféré le remplacer par Luca. Parce que Luca, c'est une batteuse, normalement, donc c'est une batteuse. Voilà. Ça a vraiment aucune logique. Tita ! Madame. Donc, normalement, dans cette chanson, hein, je précise, ça parle de fusil, ça parle d'un mec pas chanceux. Ça parle bah, de mort, du coup, vu que ça parle de flingue, je crois. Normalement, elle dit unhappy, mais moi je dis unlucky, mais y'a pas de problème! Donc, en fait, dans cette chanson, je précise, hein, pas la tenue de Project Divide, parce que la tenue de Project Divide, je suis désolée, elle est tout aussi moche que celle de Camille que vous. Bon, ok, un petit peu moins quand même, mais quand même, quoi. Keito, t'étais paumé. La tenue de Miku qu'elle porte dans le PV anime, ça ressemble à Jinx quand même. Et son caractère aussi dans la chanson. Vu qu'elle fait un gros sourire de psychopathe à des passages. Ok, elle a dit bye bye, pas de blême. Ok, tu rêves de t'envoler, t'as des... Bah, des ailes de démon, profites-en. Là, elle a envie de tuer quelqu'un, quoi. On aura un standard. Je suis désolée. Je me suis fait déjà humilier assez comme ça. Non, je me suis déjà humilié. Je sais plus faire la phrase. Je me suis déjà assez fait humilier comme ça. Voilà. Oh, Miku est déprimé. Non, mais Keito, il est vraiment paumé dans cette chanson, quoi. T'oublies la choré d'Acute ou de... Ou de Hachis to Hachis, mais direct, quoi. C'est Keito, le gros paumé. Je suis désolée, il était vraiment paumé, là. Ok.
On a entendu un petit rire d'enfant démoniaque derrière, quoi. Pourquoi tu parlais de sentimental, là? Je l'aurais jamais... Voilà, j'avais dit que je l'aurais jamais. Tant, 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 tant. Ouais, j'aime bien faire le rythme. Allez. Voilà, je connais juste ça. Après, on fait les targets et on se fait. C'est quoi les targets? C'est les touches. Ok, madame. Ah, je suis revenue moi-même. Non, en fait, t'es toujours autant schizophrène. Certes. Nikou, descends de cette table, t'as pas honte? Comme je galère. Le mi, mais paumé. Descends! La seule meuf qui dit descend à Miku, hein. Voilà, hein, on voit ce qu'elle a mis tout de suite. Je propose ou un petit Tokyo Teddy Bear ou un Ashis. Ou oh, Ashis, toi Ashis, allez, on n'a pas fait beaucoup de chansons avec Keito. Ouais, Ashis, toi Ashis, allez, c'est parti. Bon, il n'y a pas eu une seule fois Rin dans cette chanson, enfin dans cette truc, si je me souviens bien. Hein. Je ne l'ai pas mis une seule fois, vous devriez être fiers de moi. Je suis désolée, vous devez être fiers de moi. C'est comme ça. J'ai pas mis Miku dans une seule des chansons que j'ai faites, donc vous devez être fiers de moi. Cette chanson est carrément glauque. Et sinon ça va. Les cendres retournent aux cendres, la poussière retourne à la poussière. Ok. Donc monsieur Keito, hein, on va vous arrêter pour abus de drogue, je pense. Hop, voilà, je t'ai foutu un vent. Ah mais c'est trop lent, c'est horrible. Bon, je me suis tapé un excellent une fois. Ça fait mal. Keito, arrête de péter les plombs. Keito, calme-toi s'il te plaît, tu fais flipper tout le monde là. Enfin, pas moi, vu que moi c'est en général c'est moi qui fais flipper les gens. Mais il a le style Keito comme ça. Merde. C'est une très mauvaise session de jeu pour moi. Calme-toi, Keito! Déjà que t'as des marionnettes chez toi, hein. Marionnettes totalement glauques, on est bien d'accord. Kokoro! Je peux pas m'empêcher de dire Kokoro dès qu'il y a une Kokoro dans une chanson. C'est mon mot fétiche. Donc ça veut dire cœur. Voilà. Le truc que j'ai pas, mais sinon ça va. T'es obligé d'avoir un cœur, sinon tu meurs. Toi, tais-toi! Voilà, il y a eu un gros vent. Keito, calme-toi, s'il te plaît. Ah, 28 notes, ah, quand même. Enfin, 29, 30. Donc, il y a pas mal qui vont dire « Ah, la voix de Keito, elle est horrible !» Bah, c'est juste que vous n'êtes pas habitués, hein, bande d'Européens. Je peux pas m'en empêcher de dire ça. On aura un standard. Je suis désolée, on doit avoir un standard. Les ailes de Keito qui font « Nous suivons absolument pas ta musique, mais on s'en fout. » Voilà, Miku, calme-toi, s'il te plaît. Marionnette Miku. Miku doll. Oh là, Luca le screamer. Je maltraite ma manette et je m'en fous. Sa mort est géniale à Keito. Franchement, elle est... parce qu'il meurt, ouais. Comme d'hab. Keito, il meurt. Mais il meurt. Mais ouais, il meurt tout le temps dans ses chansons quasiment.
Enfin, j'en connais que trois de chansons de Keito, c'est un peu normal. Après, il y a les reprises des autres. Mais les reprises, ça compte pas, quoi. Ah bah, great. Regardez-le. Il y a un truc qui va clocher dans cette image, vous me direz c'est quoi, hein. Même si moi, je... voilà. Pourquoi Keito a-t-il du sang bleu? C'est un Vocaloid, on est d'accord, mais un Vocaloid, ça n'a pas forcément le sang bleu. Si. Allez. Sayonara.